éclairer. Nous restons dans cette position, s'il vous plaît. Nous entrons dans la phase de la prédication, qui est une phase très cruciale et capitale pour vos âmes. Donc pour ceux qui n'étaient pas le mercredi et vendredi, pour ce matin, nous avons pour orateur notre bien-aimé, le frère Amour. C'est lui qui apportera la parole ce matin. Et je vous prie d'être attentif et surtout de ponctuer la parole. Et nous serons tous présents. Il n'y a qu'à que chaque minute puisse compter pour nous dans cet endroit. Alors, pendant que nous avons été éclairés, j'appelle le frère Amour et que le chant continue avec le chant d'adoration. Shalom, ma confrère.
Dieu bénisse encore une fois. Grâce à Maria Gabriel. Amen. Amen. Alors juste, je voulais vous dire une chose avant de commencer. Donc vous ne verrez certainement pas mon épouse ce matin à l'église. Et elle a dû garder le bébé à la maison. Comme il a été circoncis il y a quelques jours de cela. Donc il a besoin de plus de soins. Parce qu'en fait, en France, il faut attendre au moins 3 ans, voire 4 ans pour circoncire un enfant. Il y a pas de loi, on a préféré le circoncire ici. Plutôt d'attendre 3 ans, voire 4 ans avant de le circoncire. J'estime que c'est d'autant plus difficile quand un enfant devient grand de le circoncire que quand il est encore à bas âge. Et que passe bien le temps, moi, je me coule avant que vous ayez un monsieur tout. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Bon, j'aurais dû le faire quand le pasteur était là. Si le pasteur était là. Je voudrais juste en tout cas dire que vous êtes une église qui est très bien enseignée. Amen. Peu de temps que j'ai passé là. Franchement, j'ai vu que tout est ordonné. Amen. Amen. Même avant que je demande à la sœur pour prêcher. Donc le frère qui m'introduit, il n'est pas là pour faire des commentaires, commentaire sur commentaire, que ce soit avant ou après que j'ai prêché. Il n'y a pas de commentaire. Amen. Amen. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe quelle église. Il y a qu'à couper ça à la côte de l'église. Amen. Amen. On a vu les églises où même les chants s'improvisent prédicateurs de l'évangile. Donc un prédicateur a prêché, puis il dit après, comment vous avez le prédicateur? Amen. Amen. Mais ce n'est pas le cas pour cette église. Que Dieu soit loué tout simplement. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Hébreux le chapitre 11, le verset 32. Donc gardez toujours en esprit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Hébreux 11, en particulier verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. Le verset 4.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. Seigneur, bénis ta parole. Pardonne du chemin. Parle à ton peuple. Dans le nom de ton Saint-Fils. Amen. Amen. Vous asseoir. Bienvenue à l'avant. Donc ce matin, je vais. On repart sur la perte de l'homme des saints. On peut juste projeter le chemin qui nous rend l'église. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Donc, je reviens un peu sur ce que j'ai dit le vendredi. Que vous êtes là? Je vous le redis. Il y a tant que vous êtes là. Nous avions vu que les œuvres des Nicolaïtes qui ont commencé ici, donc nous parlons de la défense, sont devenues là une doctrine. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et voilà un peu plus loin, il dit que quand on arrive à l'acte de Thyatire, alors c'est devenu une organisation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et quand cette organisation a fut établie, elle avait toutes les commandes dans ses mains. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comme elle avait toutes les commandes dans ses mains, alors elle s'est livrée à une persécution en règle contre l'Église du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et on a vu que l'Église est passée pratiquement par un millier d'années de ténèbres. Et pour ça, vous la Bible, il y a une. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, pour rappeler, nous sommes en train de parler sur la perte de l'homme, c'est ça? Est-ce que l'église est là? Pour lui, il y a un. Que Dieu soit loué. David, que vous soyez. Donc là, de Thyatire, la page 208. Bande à Thyatire, le papa de Kamazoule. Il dit, et dans ce temps de l'église de Thyatire, elle est une femme dominatrice. Il y a quelqu'un qui est là pour moi. Elle est la Babylone mystère. Babylone, elle est la grande prostituée. Elle est Jézabel, la fausse prophétesse. Pourquoi? Parce qu'une vraie femme est soumise à Dieu. Christ est sa tête. Elle n'a pas d'autre parole que la sienne. Pas d'autre pensée que la sienne. Pas d'autre conduite que la sienne. Mais qu'en est-il de cette église? Depuis que est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Nous parlons de l'église. Est-ce qu'on peut encore le répéter? Nous parlons de l'église catholique. Mais qu'en est-il de cette église? Elle a rejeté la parole et détruit les Bibles. Ainsi que les précieux écrits dans le Dieu. Elle a mis d'abord ceux qui prêchaient la vérité. Elle a pris le pouvoir sur les rois, sur les princes et sur les nations. Est-ce qu'on peut dire Amen? Accomplissons aussi le chapitre 17 d'Apocalypse, verset 15, 16 ou 18. Elle contrôle les armées. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui contrôle les armées ici? L'Église catholique. Amen. Qui a le pouvoir sur les princes? Qui a le pouvoir sur les
Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Elle contrôle les armées. Elle affirme qu'elle est la véritable, non, le véritable corps de Christ. Et que ses papes sont les équipes de Christ. Elle est entièrement séduite par le diable. Écoutez l'évangile. Au point qu'à son tour. Que la terre tourne. Pour que la terre